La forêt en Nouvelle-Aquitaine est un univers naturel complexe idéalisé par tous et toutes. C'est le moment de la redécouvrir. Vous êtes prêts? C'est parti! En 1760, seulement 8% du territoire de la Nouvelle-Aquitaine est boisé. 100 ans plus tard, en 1850, la forêt a doublé de taille. Aujourd'hui, la surface forestière occupe 2,8 millions d'hectares, ce qui en fait la région la plus boisée de France. La majorité des arbres de Nouvelle-Aquitaine sont des feuillus, avec principalement le chêne, le hêtre, le châtaignier, le peuplier. Les résineux, quant à eux, couvrent plus d'un tiers des surfaces avec principalement le pin maritime, le douglas, le sapin et l'épicéa. La forêt, défrichée au Moyen Âge, part à la reconquête des terres agricoles depuis la Révolution française, soit par plantation, soit par colonisation naturelle. 93% de la surface forestière en Nouvelle-Aquitaine est privée. Depuis plusieurs siècles, la forêt est façonnée par les femmes et les hommes pour différents usages. Le code forestier encadre la forêt pour une production éco-responsable. Cette récolte de bois est inférieure à l'accroissement naturel de la forêt. Pas d'inquiétude donc, pas de déforestation en vue. Ce serait même plutôt l'inverse. Dans 150 ans, la forêt sera bien différente, mais toujours présente. Depuis longtemps, forestiers et scientifiques travaillent à son adaptation pour la rendre plus résistante et plus résiliente au changement climatique. La forêt rend de nombreux services. Préservons-la. La filière forêt-bois de Nouvelle-Aquitaine porte haut les couleurs d'un bois français, local et éco-responsable.